Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Outrider pour cet épisode 5. Donc, l'heure du tournage de cet épisode, déjà c'était il y a un bon moment, vers le 6 avril, si je ne m'abuse, j'ai pas la date sous les yeux. Je tourne ça, on est le 5 mai, donc il y a eu quelques petits changements depuis, comme vous le voyez à l'écran. Et même un changement de cap radical. Je vais vous passer un extrait et je vous détaille ça. L'extrait que je viens de vous présenter, l'effet utilisé, c'est le souffle de cendre. Souffle de cendre qui a jusqu'à présent toujours fonctionné, toujours immobilisé les boss pendant 3 secondes. On va, tout comme les flammes dévorantes, qui ont immobilisé tous les mobs que j'ai rencontrés pendant 3 secondes, que ce soit les boss ou que ce soit les pinches de base. Donc ça, je vous dis 3 secondes parce que je l'ai chronométré. Le boss que je vais vous montrer, qui était dans l'extrait, 1 seconde. Et c'est bien là le problème. Donc je vais essayer, je ne garantis rien. L'extrait sera peut-être un peu plus long, je m'en excuse. Donc nous sommes à la Syrie, deuxième boss, deuxième zone. On les attire, on recule. On se place bien, je me place derrière, voilà, là, parfait, je suis bien. Là, je suis bien, là, je suis bien. Donc le stuff que je joue, c'est un stuff éruption volcanique. Donc là on leur fait du dégât, on les fait reculer, on les élimine. Tu brûles, c'est parfait, tu brûles. Là, tu brûles, c'est parfait. Voilà, donc là, ça va. En fait, si les mobs arrivent un par un, avec le pyromage, on peut les gérer sans problème. S'ils arrivent deux par deux, on peut les gérer aussi. Voilà. Éruption volcanique, c'est joli, c'est violent, c'est très bien. Mais il y a un petit souci, j'ai eu un tout petit souci avec un boss. Avec le boss qui gueule. Avec des bibles. Donc je vais vous montrer le problème que j'ai. Je sais pas ce qui va arriver avec plusieurs rushers. Beaucoup de rushers. Normalement il arrive, enfin en tout cas dans mes 2 heures d'essai lors du tournage, voilà. Il arrive avec des rushers. Un rusher. Premier rusher éliminé. Le boss est derrière. Je vais l'attendre derrière la porte, volontairement. Voilà, le voilà. Approche Maurice. Donc on va lui lancer une capacité d'immobilisation pendant 3 secondes. Une seconde. Bon déjà vous... Merde, voilà. Là j'ai pas vu, j'ai pas le temps de voir. J'espère que vous avez chronométré. On va attendre qu'il s'approche volontairement. D'ailleurs je vais en profiter. Et... Voilà. Voilà. Donc je me suis débarrassé des deux rushers autour, c'est pour vous montrer. Donc, si vous regardez donc la jauge de résistance du boss, il a pas de jauge de résistance. Approchons Maurice. Pas bouger. Une. Et voilà. Donc, il ne prend pas les doigts d'immobilisation de feu. Mais pourtant, ben, je sais pas pourquoi. Je peux changer de niveau de monde. Dans ces cas-là, effectivement, ça peut être fumé. D'accord, ça peut très vite, peut bien se passer. Voilà, si je craque, voilà, on va leur nucléariser la gueule. Vous allez voir, ça va bien se passer. Mais en l'occurrence, moi, changer de niveau de monde, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a plus de loot. C'est pas pour moi. Je le fais qu'en cas d'extrême urgence. Voilà. Donc, c'est possible de passer cette zone. Mais si je veux rester à niveau de monte 8 ou 9, non, c'est pas possible. Parce que pour contrôler ce boss, pour éliminer ce boss avec le pyromage, il faut pouvoir contrôler les rushers qui font excessivement mal. Il faut pouvoir, donc pour ça, immobiliser le boss pendant au moins 3 secondes. En l'immobilisant pendant 3 secondes, on peut éliminer les rushers et ça passe. On est d'accord. Voilà. Là, hop. Donc là, on l'immobilise, on peut lui faire du dégât. Le principe de mon set, c'est ça. En fait, c'est ce que je voulais faire à l'origine. C'est très bien ça. Le problème, c'est que dans l'extrait, en l'occurrence, impossible d'immobiliser le boss. Donc comment en fait je suis censé le passer? À part en faisant comme je viens de le faire actuellement, en passant au niveau de monde. Ok, donc on se retrouve exactement au même point que précédemment avec un technomage. Et d'ailleurs je vais repasser le niveau de monde à 9 parce que je sais pas pourquoi je suis en train de me faire chier à essayer de rush. Le niveau de monde 9, il est 8h du matin, je suis crevé, je suis à l'ouest complet, bref, ça fait une heure que je suis en train de me faire chier, c'est tourner cette intro et je galère comme c'est pas permis. Mais bon, on va y arriver.
Donc, sachant qu'entre les deux extraits, j'ai quand même perdu une grosse capacité qui était très utile avec le technomage qui ne fonctionne malheureusement plus. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, ce que je veux vous montrer, je me suis équipé à peu près de la même manière. Hormis le stuff que je veux pas spoil, les capacités sont à peu près les mêmes. Donc, j'ai un set outil de destruction. Là, j'ai pris la cryo-tourelle pour stun des ennemis, en gros, pour contrôler les ennemis, un peu comme avec la vague de froid. Et donc, là, ce que je vais vous montrer. On va s'occuper du boss. Donc déjà, on va s'occuper des PEGU. Hein. On va s'occuper des PEGU locaux. Je suis bien équipé, ça va. Oui, vous voyez à peu près... Qu'est-ce que... Ah oui, pardon. Vous voyez à peu près ce que j'ai hein, en équipant. Sachez que l'équipement que j'ai là, je suis en dessous du niveau des mobs. Largement. Je suis 33, 34 pour des mobs 35. Donc je suis très limite. C'est pas parce que j'ai du stuff qui paraît bien que... Voilà, bref. Donc on les fait spawn, comme tout à l'heure. On nucléarise les petits qui débarquent. Ça change rien. Et donc je garde ma vague de froid pour me débarrasser du gros. Bon, ok. L'outil de destruction possède un gros avantage. C'est que les PEGU, bah, ils font pas long feu. Sachant que l'outil de destruction, depuis le tournage, a été réupé au niveau dégâts. Par contre, il perd une capacité importante. La capacité Memento Mori. Donc je le dégage, volontairement. Donc on va s'occuper de Mister. S'en prendre à nous, c'est s'en prendre à Corrigan. On dégage 2-3 PEGU. 2-3 hors la loi. Il arrive. Voilà, donc dans cette zone, il va falloir contrôler les ZAD et lui. Aura sacrificielle. Donc c'est un mob de base, hein, c'est un mob classique. Ouais, il est basique. Il est très basique. Donc voilà, là je lui fais du dégât à lui. Parfait, lui il arrive. Faut tuer lui en fait parce qu'il sert à rien. Déjà il me tire à travers dessus à travers le mur. Une, deux, trois secondes. Quasiment 3 secondes. En plus le tech. Mais voilà. Donc vous voyez, il y a moyen de l'immobiliser. J'ai fait de la merde parce que j'ai pas envie, honnêtement, c'est pas un truc qui me tente vraiment. Mais pour le plaisir, on peut essayer de le poutrer, hein, juste pour la vengeance. Dans l'idée, hop. Hop. Voilà. Ça va être vite fait. Okay. Là, je me suis vraiment équipé pour nucléariser ce genre de perso quoi. Mais là c'est pas du massacre, c'est une nucléarisation. Je vous laisse regarder. Voilà, donc en résumé, Technomage supérieur à Pyromage, ce qui fait que le LP se terminera au Technomage. J'espère que ce choix ne vous déplaira pas trop, et en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. A tout de suite, enfin, à précédemment, ou à tout de suite. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Outrider pour notre épisode... 4. Je suis un peu en retard sur les tournages, pour une fois, ça fait bizarre. Donc Outrider, la suite de la série, avec notre cher Pyromage. Sachant que je me suis un peu avancé avec mon Technomage, pour essayer de voir un peu comment ça allait se passer, etc. Pour être sûr que tout fonctionne. Donc là, on va arriver sur la page du Technomage, c'est normal. Je précise. Parce que j'ai eu quelques soucis en fait sur Outrider, et je voulais être sûr que ça passe à peu près bien, ça se passe bien.
Quelques petits soucis techniques qui ont été réglés, donc tout va bien. Mais c'est pas des soucis dus au jeu, c'est des soucis dus à mon setup, qui est complètement foireux. Je vais pas le cacher, en ce moment c'est un peu la débandade du setup, on va dire. Et les serveurs ont l'air d'être stables, ce qui est agréable, parce que c'est vrai que les serveurs déconnent de temps en temps, j'ai des connexions très régulières. Donc hop. Il est où? Il bébert. Donc j'ai totalement farmé avec bébert. Sans avancer. Donc bien sûr, Bébert, je n'avancerai pas sans vous. Donc j'ai juste farmé des missions en boucle avec Bébert, ce qui fait que je suis à peu près bien stuff. Beaucoup de violet. Je suis stuff en full violet. Quasiment, je crois. Mais je crois que j'ai quelques soucis de sniper, par contre. Mais normalement, je devrais pas... Ah, si. Ah, ça va être compliqué. Ça va être complexe. Mais vu mon niveau de monde et vu la zone qui arrive, je devrais m'en sortir. Ouais, ça devrait passer. Bon, on va avancer l'histoire. On va commencer par les deux missions qui nous manquaient sur le volcan, sur la zone du volcan, dont le test de mes pouvoirs est dans un environnement contrôlé. Et le scénar de la Miss Pompon qui a ouvert son musée sur le passé terrien. Et comme ça, on sera bon. Ça fait un petit épisode 4. Et oui, et bah après, bien sûr, il y aura d'autres choses. Donc, ouais, non, ça va te faire foutre la mission. Cette mission elle déconne un peu. Voilà, je suis un peu stuff. Je commence à être un peu stuff hein, dans l'idée. Je suis. Putain, 25, 25, 26. 18. 26. 24. 26. 26. Parfait, 26. Ok, voilà. Donc, toujours un stuff bombe thermique. Une grosse bombe thermique. Et bien sûr, toujours avec l'essentiel, la ruée fantôme. C'est honnêtement la ruée fantôme. Si je devais vous conseiller une pièce à jouer, prenez la ruée fantôme. Hein. C'est la seule pièce viable. En fait, la ruée fantôme va vous sauver la vie, mais tellement de fois dans le jeu. Mais c'est pour moi un peu. Merde. Allez, la souris. Merci. La ruée fantôme, en fait, sauve la vie, mais bien. Donc d'ailleurs, oui, on va juste foncer sur les missions à faire dans l'idée, on va pas se faire chier. On va commencer. Bah, vu le stuff que j'ai, je vais commencer par la mission du merdier à récupérer. Je voulais récupérer des munitions, mais je m'en fous. Donc au camp du volcan. Bah oui, c'est un campement, on va choper des pégus. Elle est pas évidente parce qu'il y a zéro planque. Je vous le cache pas, il y a zéro planque, c'est chiant. Allez, un temporel, allons-y. C'est avec la taille de l'armure, c'est... Comment tu passes? Allez, concentration, concentration. Ouah, ça lag, ouah, ça lag, au secours. Putain, sur Division, c'était... Je viens de faire un tournage... Ok, je les avais pas vus. Ok, je suis tellement mal là. Je me suis fait avoir comme un con en fait avec les deux gros qui m'ont spawn dessus. Honnêtement, je crois que je suis pas assez stuff pour faire ce que je veux faire là. Donc, tenter un truc. Ça marche? Ça a l'air. Allez, capacité à la con, active-toi. C'est une vraie technique que j'ai appris, un peu malgré moi, on va dire.
Pensez à rebaisser le niveau de monde, ça peut plusieurs fois vous sauver la vie. Donc ça, c'est une vraie mécanique sympa qu'ils ont créée, le niveau de monde, j'adore la mécanique. Et j'aimerais bien qu'il y ait ce genre, une mécanique équivalente dans beaucoup de jeux, en fait. Il y a beaucoup de jeux qui devraient avoir cette mécanique-là. Parce que ça permet de farmer correctement et de régler facilement la difficulté. Vraiment, c'est un élément de gameplay qui est cool. Putain, par contre, passer de Division à Outrider, c'est un peu compliqué. Après, Outrider est un jeu qui se récupère facilement. C'est un jeu qui se maîtrise assez rapidement et qui se maîtrise bien. Ah oui. Merde. Par contre, pensez à un truc très important, activer le ramassage automatique des armes. Si je peux vous donner un conseil sur ce jeu, ce sera ça. Ramassage automatique des armes, c'est un peu le truc obligatoire. Bon, maintenant que cette mission est faite, je peux repasser comme ça, parce qu'après, je crois que c'est que des missions avec des mutants. Donc, clairement, les mutants, c'est pas ce qui est le plus difficile à gérer dans le jeu. Ce qui est le plus dur à gérer dans le jeu, c'est récupérer des munitions. Enfin, du titane, pardon. Le titane, c'est un peu la ressource manquante du jeu, je trouve. Et oui, et là je viens de voir qu'avec ma barre d'XP, je vais me retrouver dans la merde, mais à une vitesse absolument folle. Puisque je vais me gagner un niveau. Sachant qu'avec mon autre perso, en fait le perso que j'ai avancé, j'ai beaucoup moins galéré. Puisque je n'avais pas. J'ai pas farmé autant. Sur celui-là, j'ai beaucoup trop farmé. Et je crois qu'il n'y a pas de caisse, alors, pire, je m'en fous. On va aller au camp, récupérer ça, et après je vais à la zone secondaire. Donc oui, j'ai repéré un certain truc, je vais pas vous le cacher. Ce serait con sinon. Donc, salut Maurice! Depuis le temps que je te passe devant et qu'on est dans la neige. Je suis d'accord. Non, non, je vais pas me faire étudier par des scientifiques. La dernière fois, c'est parti en couille. Bien sûr, allons-y. Merde. Donc, je vais essayer de changer de compétence pour voir si j'arrive à faire quelque chose de bien. Non, c'est pas là-dedans. J'aimerais changer un peu. Parce qu'on a quoi? On a la surchauffe. Non, ça c'est trop corps à corps, c'est pas terrible. Balle volcanique, c'est pas mon kiff. Souffle de cendre. Ouais, c'est pas. Parce que dans la classe, je me suis axé sur quoi en fait? Arme de précision, ouais, il le faut. Pouvoir d'anomalie, compétence contre les ennemis marqués, ok, d'accord. Une arme à 10%, immobilisation, 10% des armes contre les ennemis marqués. Altération, ouais, il va falloir que je joue cendre. Pour les ennemis marqués, 15% marqués, ok, d'accord. Donc là, on va passer sur celui-ci. Et là, on va passer sur. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai pas avec moi. Je croyais que j'en avais une.
Ouais. Ah oui, bah oui, je mets tout de suite. Je mets tout de suite. Hein. Non négociable. Et le reste, on est bon. Quel niveau ça là? 24. Ah, ça fait short. Mais j'avais pas un fusil mitrailleur. Est-ce que j'ai accès à la boîte? Ouais, j'ai pas accès à la boîte de réserve. Enfin, la boîte, mais bien sûr. Ce serait trop simple sinon. Bon, on va prendre celle-là. On va prendre celle-ci. Ça ira très bien. Contre les mutants, il faut fusil à pompe et pistolet mitrailleur. C'est un peu le meilleur mélange. Je sais pas s'ils appellent ça pistolet mitrailleuse légère, pardon. Donc, on va améliorer ça. Niveau max, c'est bon. La variante. Je possède déjà la meilleure. Non, ça m'intéresse pas. Par contre. 50 munitions au moins, vous pouvez faire une roulade. Ça peut être intéressant. Votre arme inflige une altération d'état brûlure aux ennemis déjà blessés par une arme si vous n'avez pas changé, ok. Les tirs lisent jusqu'à 4 ennemis et partagent 30% des dégâts des armes et 15% des dégâts d'anomalie qu'ils infligent sur 4 secondes. Ça peut être très intéressant. Ça peut être intéressant. Donc ça, je prends. Et ensuite, voyons voir ce que je possède comme équipement de base. Ben, j'ai absolument tout. C'est vrai que j'ai un peu farmé. J'ai un peu farmé. Ouais, je peux jouer phaser. Je peux tenter de le jouer phaser pour changer un peu. Phaser et immobilisation. Donc on va se stuffer pour. Bombe thermique, ok. Réduit de 50% les dégâts d'anomalie subis et 50% de dégâts des armes lorsque la compétence est active. Oui, je prends. Parce que le phaser est très intéressant. Modification d'équipement. Bon, ça coûte pas si cher que ça quand on voit les compos que j'ai en bas. Ça va. Rayon phaser, on a quoi? Augmente les dégâts de compétence du phaser. Modification d'équipement. La portée du phaser. Ensuite, on a quoi? Augmente la récupération de PV à la fin de la compétence. Et 30% de charge. Donc, on va mettre ça. Et ça, en fait. Là, stuff phaser, maximum dégâts. Là, je suis au 26, 26, 26, donc ça c'est bien, 26 et 26, donc c'est très bien. Je suis stuff pour, c'est pas mal. Feu d'artifice, c'est parfait, c'est parfait. Pour ça, je peux le dégager, le vert, je le dégage. Le reste, je le garde. J'ai une raison que vous comprendrez d'ici, je pense, un ou deux épisodes. Bon. Oui, donc ça, je vais pas vous le cacher, je sais où je dois aller. Donc, je vais pas me faire chier, plateau enneigé. De toute façon, c'est marqué. Donc voilà, ça change rien. Et honnêtement, Outrider, malgré quelques petits soucis qu'il y a sur la version, les accès au serveur qui ont été problématiques, etc., le jeu est beaucoup plus optique que Division, qui est un jeu bien plus ancien. Et même si je veux parler d'optimisation, je peux parler aussi de Ark, qui est une catastrophe absolue. Bah, c'est Ark, dans l'idée. Est-ce qu'un jour Ark a été optimisé? Là est la question. Donc le rayon phaser va être très intéressant, je pense. Même si c'est vrai que contre les... Ah merde, putain, j'ai plus le dialogue. Quel clampin. Je vais monter le son chez moi. Parce que j'ai baissé le son en fait à cause. Ah ouais. Si. Je reviens. Faut que je fasse un test son. Bon, re les gens, j'espère que ça va pas trop laguer parce que je suis en train de vider le disque dur pour être sûr que l'épisode passe. Donc, je fais juste un petit vérif. Donc, mon son est réglé. J'ai cramé toutes mes munitions en faisant mes tests au son, bien sûr. Hein, histoire d'être con, faut bien l'être jusqu'au bout. Donc, on est dans le laboratoire de l'alchimiste où c'est un peu parti en couille. Non, libérez-moi, je sens trop de voix. On n'entend pas, c'est normal. Hein. On entend une espèce de murmure. Oui, quand je me téléporte pas. On l'entend à peine. Heureusement qu'il y a le sous-titre, sinon je n'aurais jamais su qu'il y avait... Putain, je n'avais pas vu cela. Ah, marche bien. Oh, ça marche bien.
En fait, sur Outrider, il y a tellement moyen de faire des builds sympas rapidement, quelle que soit la classe. De toute façon, au bout d'un moment, il faut en faire d'office. Oh, c'est génial cette arme! Au revoir! Ah, c'est tellement efficace! Oh, je regrette rien! Le journal! Donc, le journal, là, il y a plusieurs journaux à récupérer dans cette mission. Journaux que je vous laisserai lire. Parce que moi, bah, honnêtement, je les ai déjà lus. C'est aussi pour ça que j'ai pris de l'avance. Pour les journaux. Donc, quand j'afficherai un journal, je préviendrai. Ah, bah oui. Ah, bah oui, putain, puisque j'ai déjà récupéré, mais quel glandu. Excusez-moi. C'était. Putain, c'était où? Non, c'était pas là. Putain, faut que je les retrouve. Merde, je les ai perdus. Putain, c'était où? Non, c'était. Personnage? Non, non, c'était pas dans le personnage. Non plus. Enoch, non plus. Histoire. Ouais, ça peut être que dans l'histoire. Histoire de la Terre, non. Solver Enoch, non. Arteliot, professeur J. Kavinsky. Arteliot, Kavinsky. Ouais, ça, c'est le seul détail que j'avais oublié. Non, 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 c'est pas là. C'est putain, c'était lequel? Merde. Non, c'était pas là-dedans. Divers peut-être. Divers, ouais, ouais, divers. Message de Molos, la Traiva, ordre de transfert. Voilà, journal de l'alchimiste. Le voilà. Ok, je sais où c'est. Je vous laisse le lire. Mettez sur pause, il n'y a pas d'autre texte. Allez, on y retourne. Non, parce que sinon, si je commence à tout lire, ça va prendre des plombes, ça va être chiant, il faut que je trouve des effets de voix, etc., etc. Non, c'est chiant. Si je lis tout, c'est chiant, parce qu'il faut préparer, faut travailler, etc., etc. Bref. Allez, on avance. Le phaser, ouais, je crois que mon stuff, ça va être un stuff phaser d'office. En fait, je trouve que jouer une compétence, ça peut être intéressant. Avoir deux compétences alternatives, c'est bien. Mais jouer une compétence de nettoyage comme le phaser, c'est intéressant. Où est-elle? Où la réponse? Elle attend qu'on l'attrape. Ici, avec leur mort. Ouais, je le fais rapidement, sinon on s'en sort pas. Non, parce qu'elle prend deux plombes à parler, l'autre, là. L'autre machin qui est clamsé, là. Coucou. Merde. Oh, ça a marché. Ouais, dégage. Pas bouger. Ah d'accord. J'ai pas tout compris. En fait, faut pas que je m'avance trop, faut que je me recule très vite et faut que je me trouve un abri. Ok. Ouais, c'est pas évident. Le pyromage est vraiment pas évident, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Surtout qu'en fait, il y a des boss sur le jeu qui prennent pas les immobilisations. Ils s'immobilisent pas. Et c'est très très complexe à gérer ça. J'ai eu plusieurs fois le problème de personnages qui subissaient pas l'immobilisation. Ouais, ouais, tu prends des. Le temps que ton animation se fasse, tu te prends des baffes qui te couchent, ça va très très vite, c'est très chiant. Ça, c'est un des problèmes d'Outrider, c'est, je sais pas, il y a une histoire de timing que j'arrive pas à gérer. Putain, par contre, comment je vais faire pour passer ça? Ah, au secours.
Ouais, ok, donc là je peux pas le gérer comme ça. Il va falloir que je trouve un moyen de one-shot les trucs. Donc on va garder le pompe et ça on va le dégager. Putain, niveau 10, t'es sérieux? Putain, j'ai rien. 26, un fusil standard, c'est peut-être la meilleure solution. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure solution que je puisse avoir. Et ça. Passer sur ça et ça, je pense que c'est la meilleure solution que j'ai. Parce qu'il faut que j'arrive à shooter tous les petits le plus rapidement possible. Et là, c'est pas évident, évident. Le problème du phaser, c'est qu'il demande un temps de recharge trop long. Et il a un temps de charge qui est assez long. Ok, ça va être difficile, mais c'est faisable. Okay. Je vais essayer de garder les alphas pour plus tard. Ah mais il te saute de... Ah mais j'étais même pas là. Putain mais c'est terrible. Mais comment je vais le passer? Je vais avoir du mal à passer cette zone. Je suis désolé de galérer autant. Mais honnêtement, j'ai pas de solution à proprement parler. Fusil à verrou? Non, ça va pas m'être utile ça. Ça va servir à rien. Je peux le tenter avec ça, mais sans grands espoirs réellement. Et ça. Restons avec le pompe, on va bien voir. Le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à me déplacer assez vite et pourtant ça, c'est la meilleure méthode. Bon, c'est bon. Putain. Ah mais bordel de merde. Allez, passe. Compétence de merde. Vous avez entendu quand j'ai matraqué F3 quand même. Je suis pas maso. Toi, tu mets ma bonne arme, merci, connard. Ah, c'est pas la bonne. Non, la compétence, je suis coincé dans un mur, super. D'accord, il m'a spawn dessus, ok, bah, je suis mort. Surtout que j'ai pas de frame d'invulnérabilité, j'ai aucun moyen de survivre. Non, je pense que cette zone, je pourrais pas la passer. Je pense que je peux pas la... Là, dans l'état, je peux pas la passer. J'ai zéro soluce, là j'ai rien du tout. Ah, moins que... Qu'est-ce que j'appuie sur quoi? Compétence. Le phaser, c'est bien. La flamme dévorante. Non, on va la dégager. Non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas assez ciblé. Surchauffe. Ouais, je prends. Et un souffle de cendre. Ok. Ok. Immobilisation, je les brûle et je les nucléarise.
Et ma capacité qui ne s'est pas activée. Ouais, c'est pas évident. Hein. Je crois que le pyromage, c'est une des classes les moins évidentes, en fait. Je m'en rends compte, maintenant. Honnêtement, je suis en train de m'en rendre compte que c'est pas la meilleure classe du jeu. C'est une bonne classe, hein, mais le technomage est beaucoup plus simple à gérer. Et par contre, ce que je comprends pas, c'est que je fais zéro dégâts avec ce perso. Ah d'accord, il a pas pris. D'accord, il prend pas. Il résiste alors qu'il a rien pour résister. D'accord, c'est l'arnaque. D'accord, donc ça interrompt pas sa compétence, super. Bon, joué à bonheur. Ok, j'ai plus de munitions, c'est nickel. Allez. Putain, si ça passe, c'est un miracle. Ok, c'est un miracle. Je sais pas comment j'ai fait. J'y suis allé comme un bourrin, je me suis mis... Bah ouais, ok, ok, d'accord, bon, bah... Grosse galère pour rien. La meurtre, c'est pas où ? Ah oui, le journal. Deuxième journal. Cet alchimiste a passé des années à faire des expériences sur le monde. Il capturait des soldats, les clouait à des croix dans la tempête, les laissant en proie à l'anomalie. Pour de vrai, c'était une raclure. Des armes vivantes ? Non. Au final, je pense qu'il tentait d'inverser ses effets. Redevenir humain. Voilà. Ok, donc je vous ai laissé le lire. Mettez sur, n'oubliez pas de mettre sur pause hein, quand je voilà. Ouais. Par contre, j'ai un souci avec la RTX. Mais c'est que avec la RTX. J'ai fait un test avec la avec le PC GT avec la GTX. J'ai pas ce problème là. Le problème est présent que sur cet ordinateur là équipé de la 2070 RTX. Pourquoi je n'en ai pas la moindre idée, mais j'ai ce problème. Et honnêtement, vous voyez, là je viens de me faire chier dans une zone, mais c'est, pour moi c'est pas rageant en fait. C'est moins rageant que d'autres jeux qui sont plus chiants que ça, parce qu'il y a du loot. Parce que tu lootes à chaque fois, et c'est pas désagréable quoi. Même si c'est dur, c'est pas désagréable. Et merci, en divers, pardon. Journal numéro 3. Mettez sur pause. Et 3, 2, 1, on descend. Est-ce possible? Ouais, parfait. Les toucher, on descend. Parfait. Voilà. Comme ça, vous avez tous les journaux, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je les ai déjà lus, c'est pour ça que je ne les lis pas non plus. Ah voilà, bah. Caméra est partie en couille. Il y a une couille, apparemment, de gestion de la RTX. Bon, c'est pas hyper, hyper grave non plus. Là, il va me falloir des munitions très vite, par contre. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a rien par là. Je crois qu'il n'y a pas de coffre, en fait, dans cette mission à la con. Ou toi l'alpha. Coucou. Pas bouger. Pas bouger, j'ai dit. Merci. La capacité qui est passée, mais à la limite du pif, mais c'est passé. Après, les ennemis que je préfère en général combattre, ça reste les mutants. Oups, 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 oups. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Mais par contre, ce que je trouve dommage, ça c'est un vrai truc que je trouve dommage avec la ruée fantôme, c'est que le jeu ne la considère pas comme... Enfin, ne considère pas la phase d'invisibilité, la phase de téléportation, comme une phase d'invulnérabilité. Ce que je trouve dommage, parce qu'il y a une phase où, on, littéralement, mais on disparaît, on dispawn, on n'est plus en jeu, et pourtant, on peut prendre du dégât encore, et je trouve ça vraiment dommage. On va se caler dans un coin. Bon, on va se caler dans un coin, ce sera plus pénible.
Ok, on se retrouve. Bah, je peux me mettre là en fait. Je suis con, mais je peux me mettre là. Je suis con, mais avec cette capacité, ouais, c'est une solution. Ça a fait zéro dégâts. Zéro dégâts, mais elle me régène un peu, donc c'est bien. Le deuxième ne sert à rien, ok. Donc va falloir que je fasse sauter ma deuxième capacité qui ne sert absolument à rien. La troisième est très utile mais la deuxième ne sert à que dalle. Bien, oui, je commence à comprendre un peu comment fonctionne le... comment fonctionne cette classe. Et donc ça on va l'enlever. Je peux mettre la bombe thermique. Bombe thermique qui sera utile. Le dernier journal du Pégu. Le dernier journal, donc en gros, dans l'histoire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on se retrouve avec l'alchimiste qui a fait des expériences sur les altérés. Il y a le sujet 6 qui répond parfaitement à l'altération, qui est un des premiers altérés. Sauf qu'il a des pouvoirs un peu trop violents et il ne supporte pas l'alchimiste. Donc il lui a poutré la gueule, mais littéralement. Oups, pardon, hein, mon fauteuil qui part en couille. Et je pense qu'on va voir la cinématique, en tout cas, je l'espère. Parce que vous allez voir comment ça a terminé. Normalement. Ouais, l'alchimiste, ça l'est pris plein la poire. Là, on est à la place de l'alchimiste. Qui voulait redevenir humain, qui ne voulait plus être un alter. Là, il y a son flingue. Mais il y a le sujet numéro 6 face à lui. Ai-je demandé qu'on me tire des ténèbres ? Faire de moi un pantin ? Comme si vous étiez mon dieu ! Ouais, je peux comprendre le sujet numéro 6 sans se faire couer comme ça. Des tests sur moi, comme sur un rat ! Et là, vous me rejetteriez dans les ténèbres ! Non ! C'est vous, avec la marque des ténèbres, et ceux qui se font passer pour des dieux ! C'est un peu violent, je ne vous le cache pas. Sachant qu'il est mort, tué par un pic à béton. J'ai trouvé l'alchimiste. Il a été tué à coups de fer à béton, puis brûlé. Ou l'inverse. Non, non. C'est sujet de test. Le sujet 6. Et puis, les expériences de l'alchimiste. Et il n'avait pas l'air. Mon dieu, il est temps d'entrer au Outrider. Et heureusement, en fait, il n'y a pas le sujet numéro 6 à affronter, parce qu'en l'état, ce serait un petit peu compliqué. Donc, on va changer de zone maintenant, puisqu'on a fini cette zone-là. Elle est finie, ça y est. Donc, maintenant, on va passer à la zone suivante. Zone suivante qui est la zone de l'entrée de la forêt. On va partir vers la forêt. Zone de merde, la forêt. Mais il n'y a pas que ça, vous allez comprendre, ça va être compliqué, quoi. Ça va être un bordel sans nom. Mais honnêtement, la suite est intéressante, la suite est sympa. Il y a une mission, j'ai eu un mal fou, même avec le perso principal. Avec le technomage. Hein. Je vous préviens, ça va être galère. L'alchimiste. L'alchimiste ? Qu'avez-vous trouvé ? Bah, il est mort. Rien du tout. Juste un autre taré qui a payé pour sa curiosité. Voilà. Donc, pas de fusil standard, armure supérieure. Éruption, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il n'y a rien qui me tente vraiment. Je vais prendre ça. Voilà. Bon, coucou. Je suis de retour.
croyez-moi. Je sais de quoi je parle. On est à combien? On est à 305 pour 649. Ouais, bah, clairement. Clairement, c'est bien ça. 1061 pour 1254. Même si le niveau est différent, je vais le prendre. Ok, donc j'avais dit à la place de celui-là, celui-là et à la place de celui-là. Il est ici. C'est lui. Parfait. Et on va rester comme ça. On va rester dans cette ambiance-là. Ce sera parfait, même si les prochains ennemis ne seront pas les bons. Bref, on avance. La mission de l'autre pour l'objet, on le rendra à la fin de l'épisode. Prépare le camion, mon poulet. Faut aller à des drogues pass. Voilà, là, ça, c'est une zone classe. Ça, c'est du vrai avant-poste. Il y a des putains de canons à l'entrée. Et je rajouterai qu'une seule chose, la drogue, c'est mal. Vous allez comprendre. Mais j'adore ce jeu, honnêtement, le jeu est vraiment cool. Le jeu est vraiment sympa. Surtout parce qu'il y a un truc qui est bien, c'est vraiment le truc du farm, qui est vachement agréable. Parce que tu peux vraiment farmer dans le jeu. Mais il est beau, en plus, il est magnifique le jeu. Avec la RTX, putain, non, j'ai fait l'expérience GTX RTX, putain, là je vois vraiment la différence. Là c'est vraiment beaucoup plus beau. Ah ouais, non, mais il y a une grosse différence. Je sais pas si au record ça se voit, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, puisque l'épisode 1 a été tourné avec une GTX et RTX pour l'épisode 2. Mais moi, perso, je vois vraiment la différence, rien qu'au niveau cinématique. Comme d'habitude. Bon, Doc, quoi? Les insurgés occupent la carrière et la seule route vers l'est est truffée de nuit. Bon. On ne passera pas à moins de parler à Kerrigan, le grand marshal de French Town. Il n'est pas vraiment connu pour apprécier les étrangers. Heureusement, j'ai dit à cette charmante jeune femme dehors que nous allions vers l'est. Surtout, dites à personne où on va. Ok, normalement, je ne le ferai pas, mais il se trouve que c'est l'associé de Kerrigan et elle peut nous présenter à mission l'aide avec une livraison. Aïe! Quel genre de livraison? Bonjour madame. Fou mouvement, gamine, et j'achète ta petite vie. Vous êtes un colis UPS, Chronopost? TNT peut-être? Vous êtes qui, vous? Je traverse toute cette putain de planète et je te retrouve encore devant moi. Bah apparemment ils ont une histoire les deux. Et ils ont une histoire. Il y a un passif entre ces deux-là. Lequel? Mais il y a un passif. C'est une ennemie à toi. C'est une personne du passé. Par contre, cette armure, vivement que je m'en débarrasse. Une raison pour t'en vouloir autant. Plusieurs. Ah. Mais il y a un passif, je vous l'avais dit. Bon. Je vais jeter un coup d'œil. On est où ici, au fait? Des drogues passent. Le territoire du Marshal Cullen. Et seul arrêt entre Rifton et Trenchton. C'est d'ici que viennent les rondins pour consolider les tranchées au fond. Il y avait des arbres à perte de vue ici. Mais maintenant... Donc, il va me falloir juste un truc. C'est. On va upgrade L. On va aller faire une petite mission sympathique qui représente bien la touche d'humour du jeu que j'aime beaucoup. Normalement, ça devrait, si je foire pas, ça devrait bien se passer. Oui. Pitié, j'ai besoin d'aide, merde. Allez hop. Mais non. Hey, j'ai entendu. J'arrive. Par contre, c'est quoi ce zoom là? Oh mon Dieu. Merci. Avec plaisir. Et donc, ce camion est vraiment beau. Le camion est vraiment classe. Là en noir, comme ça, j'aime bien. Oui, oui, bah, si tu veux. Salut. Tu dois être le capi-chef.
Voilà, la drogue, c'est mal. Regardez-le. Ah, c'est... Je sais pas ce qu'il sniff, mais c'est efficace en tout cas. Putain de Dieu, merci. Il était temps qu'ils envoient leur altéré. Psychopathe. Comment ils espèrent qu'on va tenir ça? Je ne suis pas là pour toi. Oh merde. On aurait besoin de ton aide. On a perdu le contact avec le camp de la vallée. Mes ouvriers ont pu se faire bouffer par des saletés de mangeurs d'hommes, pour ce que j'en sais. Mais qu'est-ce que tu renifles? Bon sang, qu'est-ce que tu renifles? Personne ne peut approuver ça par ici. Approuver? Tu rigoles? On part pour la zone des décombres si on prend pas ça. C'est ce qui nous fait oublier qu'on crève de faim. Ça file le cancer, après quelques années. Mais personne ne vit assez longtemps pour ça. Ouais, bon. Ça se justifie. Le perso qui est en train... C'est l'altérite. Donc, ok, pourquoi pas. Tu y as déjà envoyé quelqu'un? Évidemment. J'ai besoin de ce bois pour renforcer nos tranchées. Tout retard nous coûte des vies. Mes éclaireurs ne sont pas rentrés. Je sais que t'es occupé, t'es un putain de monstre. Mais tu pourrais découvrir ce qui s'est passé. Tu auras ta part, bien sûr. Tu m'intéresses. Je viens pour le pognon, de toute façon, donc. Pour cette fois, je t'aide. Mais ne t'y habitue pas. Non, moi, je suis là pour le pognon. Après, le reste, je m'en casse, hein. Je m'en cogne. Donc, on va aller faire celle-ci. Où se trouve le camp de bûcheron? Donc on va pas faire celle-ci, j'aimerais bien faire la mission l'appel de la nature. Oui, c'est J, pardon, mauvaise touche. Cœur des quêtes, l'appel de la nature. Parce que je me suis équipé pour, en fait. Allez. Ascenseur. C'est un vrai ascenseur. Pain, pain, pain. Ouais, bah ils ont pas mis les musiques chiantes d'ascenseur, faut bien les faire à la bouche. Oui. Après. Certes, ouais, ouais, des merdes. Hop là. Du fer, toujours est-il. Donc ça, on verra plus tard. Ouais, ben là, déjà, il pourrait venir ici pour récupérer du bois, dans l'idée. L'appel de la nature, je crois que c'est en haut. Ah non, c'est là. Non, voilà. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une mission de récupération, c'est vrai. L'appel de la nature. Bonjour, bonjour. Donc on va aller chercher l'autre Pégu qui est coincé quelque part. Et quand je dis Pégu, c'est vrai Pégu, hein, c'est gros Pégu. Et si j'ai le temps, je ferai la dernière mission de Dead Rock Pass avant de passer à la zone suivante, qui est très jolie d'ailleurs. Enfin, très jolie. Qui est bien foutue. Ah, non. Ah si, 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 débilus est bloqué et ben... Coucou! Ça marche toujours bien ce truc. Voilà. Cette zone devient intéressante pour ça. Voilà, c'est le dernier. Hey, il dirait que la voie est libre. Oh. Ah, tiens, avant de partir. Avant de s'occuper du débile. Qui est coincé dans ses chiottes. Ça, c'est l'émission. En fait, ça, c'est l'émission de Borderlands. Parce que dans Borderlands, il y a une mission aussi où le Pégu est coincé dans les chiottes. Et on ne le revoit pas. En plus, on verra bien. On verra, c'est pareil. Pas attendre comme un con que le soleil se lève.
Alors allumez le générateur du camp, ça allumera toute la zone. D'accord, je m'occupe du générateur. Ouais, ben y a pas le choix, y a pas le choix. Non mais du coup il aurait pas pu prévenir. Ouais ouais. Faites attention si aux alphas s'il y en a qui spawnent. Ça, c'est une mission qui est sympa à farm en fait. Merde, j'avais pas vu celui-là. Ça va être juste. Ouh, c'est passé. Merde. J'ai pas eu le temps de recharger. J'ai essayé de recharger, c'est pas passé. Ok, go. Ah mais non, mais c'est... j'ai pas la bonne capacité comme un débile. En fait, le technomage a un gros avantage puisque le technomage possède une capacité avec la, la grosse mitrailleuse, la grosse sulfateuse et le lance-roquette. Qui est, cette capacité en fait va être ultime pour ce genre de mission parce que ça va permettre de tout nettoyer très vite avec un bon set autour. C'est le genre de truc qui fait vraiment le taf. Là, je me recule. Ouais, pardon si je parle pas beaucoup, j'essaie de rester concentré pour éviter de mourir comme une merde. Ce qui m'arrangerait légèrement. Par contre, c'est vrai que ça donne du stuff. Les perforos en fait vont donner énormément de stuff, j'ai remarqué. Parfait. Deux alphas, super. Là, je devrais être dans l'axe.
C'est rentable, hein. C'est pas évident, mais c'est rentable. Bon, Maurice, tu sors tes chiottes ou pas? Merde, ben en gros, non, j'ai pas eu la cinématique, je sais pas pourquoi. Mais en gros, il se décide pas à sortir de son trou. La voie est libre. Ah, si, ça, ça y est. Sérieusement? Bon, ok, j'y vais. Ouais, moi je me casse, c'est bon au bout d'un moment. Pégumin, Pégumin qui veut rester dans ses chiottes, il se démerde. Et au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Donc, ensuite, on revient ici, sentier forestier. Il me reste combien de temps? 37 minutes? Parfait. Parfait pour faire la prochaine zone qui va être là. Nickel. Ok, j'ai rien de mieux et j'ai rien de mieux. Niveau protection. Parfait. Parfait, on y va. Eh ben, parfait, en plus je suis à côté, donc nickel, on va faire celle-ci. Bon, en plus, ben en fait, non, celle-ci, il y a un truc qui est assez fumé. Je me croyais qu'elle était difficile, jusqu'à ce que je me rappelle d'un truc. Parce que j'ai eu du mal. Premier essai, j'ai eu un mal fou. Jusqu'à ce que je comprenne. En fait, là, ils sont difficiles à voir, mais vous avez un coin à peu près safe. Faut surveiller l'entrée et bien regarder le radar. Après, faut pas hésiter à s'avancer pour les activer. Ah non, c'est juste l'ombre classique. C'est vrai qu'il y a une ombre là. Donc là, je vais m'avancer pour les activer et je retourne me planquer. Bonjour, 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 au revoir, au revoir. Ok, donc ça... C'est un corps à corps qui arrive. Allez, tu dégages. Merde, je l'avais pas vu. Putain, elle est pas passée. Merde. Putain de connard. Un autre qui arrive. C'est juste en fait, mais ça passe. Touché. Je l'ai vu de loin celui-là. Coucou. En fait, Outrider, si vous êtes trop loin des pinges, ils ne vont pas s'activer. En fait, ils vont pas vous tirer dessus. Par contre, si vous vous rapprochez sans vous mettre à couvert, ils vont sortir de leur planque très vite. Et ça peut vous permettre de les shooter, mais de loin. Ou même pas obligé. C'est pas trop nul. Merci. Je crois qu'il y a un boss ici, non? Merde. Putain, je vais plus avoir de munitions, moi, avec ces conneries. Merci. Et normalement, il y a un boss qui spawn au milieu, là, je crois. On se recule. Là, je le joue safe, pour éviter de remourir comme un con. Je
On vise, on tire, ça marche. Voilà, et là je suis safe. Touché. Touché. En fait, l'appel de la nature sera beaucoup plus rentable au niveau farm, mais celle-ci sera beaucoup plus safe et beaucoup plus simple. Quand on n'est pas trop mauvais au sniper. Est-ce qu'il sent ? Chef des ravageurs. Ok, bonjour monsieur. Couchez les débiles là. Voilà, merci. Ah, ça va être dangereux ça. Le vortex à la con, il est toujours actif. C'est bon. Parfait. Merde, je croyais que c'était, je croyais que c'était sa tête. Merde. 5 balles. Headshot. C'est faisable. Où est-ce qu'ils sont les deux débiles? Bon, allez, on va aller les chercher. À la main, 3 débiles. Et de 2. 2, 3. Par contre, s'il y a un autre boss, je vais pas avoir les munitions. Sérieusement? Ça marche. Donc cette mission, elle pose problème ici. Je vous montrerai comment la régler. Bon, déjà, il faut faire attention à éliminer rapidement tous les ennemis. Voilà, là je les ai tous éliminés, la porte ne s'est pas ouverte. Donc pour ouvrir la porte, c'est tout con, il faut revenir en arrière et revenir sur place. Il faut faire, faire une marche arrière en fait, tout simplement, et ça suffit à réouvrir la porte. J'ai eu le problème sur ma première version, sur mon premier essai. Donc c'est un bug de la mission. Honnêtement, c'est pas le bug le plus grave du monde, c'est pas un bug qui empêche vraiment de jouer. Il suffit juste de sortir et de re-rentrer, de recharger la zone, la porte s'ouvre dans ces cas-là. Voilà, puisque comme vous l'avez vu, la mission s'est activée, donc ça on va le passer. La mission s'est validée en fait dans l'inventaire, donc je peux revenir. Et comme la mission s'est validée, la porte s'est réouverte. C'est tout con.
Et je crois que j'ai oublié un truc de fer qui traîne dans le coin. Voilà. Ouais, j'ai préféré prendre de l'avance, ça me permet de savoir vraiment à quoi me... savoir gérer un ou deux trucs. Et repérer quelques trucs intéressants. Sachant que l'histoire, sur mon premier essai, j'en ai eu un peu rien à carrer à part les textes que je voulais récupérer. En haut, je crois qu'il y a un truc, mais j'en suis pas sûr. Non, par des munitions, il n'y a rien, c'est vrai. Et donc là, comme je vous l'ai dit, la porte est ouverte. Donc c'est bon. Et non, en haut, il n'y a rien. Là, par contre, il y a un truc. Ouais, là, ça va être tendu, là, par contre. D'ailleurs, j'ai récupéré un truc violet tout à l'heure. C'est quoi que j'ai récupéré? ?735 et j'avais... il est où? Putain, il est où? C'est lui? C'est lui? C'est lui. 1254? Mais je suis à quoi? Je suis sur le... Ah oui, je suis pas sur la bonne... Ah, fait chier. Bon, tant pis. Tant pis. On va continuer avec celui-là. Ouf, ouais, je vais l'essayer. Si ça one-shot pas, c'est pas grave. Je mourrai au premier essai, c'est pas grave. Ok, donc là... Voilà. Ok. Ok, donc faut que je fasse... Faut que je les active et faut que je recule. Et il faut pas que je prenne ce sniper, il est trop dangereux. Enfin, il fait pas assez de dégâts. C'est celui-là qui fera du dégât. Parfait. Hop là. Et demi-tour. Mais t'es pas mort toi, saloperie? Là, ça devient compliqué là. Parce que ce connard, il rush. Et là, je sais pas comment je vais passer. Pas bouger, connard. Merde, ça l'a pas touché.
Voilà, ça c'est exactement ce que je reproche au jeu, c'est que dans ces capacités-là, tu sais pas comment les gérer. Putain, ça va être compliqué. J'aurais jamais dû faire cette mission maintenant. L'épisode va être beaucoup trop lourd, ça va être chiant. Par contre, ils font tellement mal avec leur capacité à la con. Ah, allez, putain de merde. Couché débile. Ça compte pas. Ok, re les gens. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière partie, qui s'est pas bien passée, hein, je vous l'accorde, parce que j'ai un souci avec le pyromage. Donc, en comparaison, j'ai fait les tests avec le technomage, avec un des technomages que j'ai bien farm, et le boss que je n'arrive pas à passer, qui me rush, avec le technomage, je peux le passer très rapidement, parce que le dot de glace va rester sur ce personnage, il va être immobilisé par la glace, assez rapidement et de manière assez permanente en fait. Alors que quelles que soient les capacités du pyromage que j'utilise avec l'effet de cendre, je crois qu'il immobilise, impossible de l'immobiliser plus d'une demi-seconde. Et les capacités ne l'affectent pas. C'est assez obscur. Malheureusement, j'ai pas pu l'enregistrer parce que j'ai fait des essais en off. J'ai monté en off un set éruption sur le personnage, qui est un truc qui tient le coup vraiment. En gros, je one-shot un mutant alpha, l'espèce de grosse bestiole alpha. Ça se passe très bien contre les mutants, c'est nickel, c'est un peu short, mais ça passe. J'ai farmé en boucle la mission des mutants de la zone du bois, du Deadrock Pikes. Et ben, après, par contre, quand je suis revenu en off contre les pinges, je lui ai foutu sur le boss toutes mes capacités. Il a perdu moins d'un dixième de sa vie. Donc, excusez-moi pour ça, mais Barbecue Man passe à la trappe, on passe à Geekman. Le technomage. Je préfère le technomage. Maintenant, je m'y suis accroché au technomage. Et j'avoue qu'il est bien plus agréable en solo. Le pyromage est très sympa, je vous l'accorde. Mais en ce moment, je suis pas fanat de passer 50 heures à faire un boss en boucle. Je m'en excuse. Mais j'ai pas envie de me taper ce boss à la con pendant 50 heures pour arriver à ne pas avoir de vidéo. Donc déjà, je vais couper au montage les parties que j'ai fait en boucle. Le set que j'ai lors de l'épisode, c'était un set qui était basé sur l'explosion, je crois, qui marche très bien normalement, qui m'a marché sur tous les premiers boss, sauf deux. Le boss de la mission de la secte dans le Deadrock Peaks, machin là, je sais plus où c'est, la zone précédente à celle-ci, en montagne. Il y a un boss qui prenait pas ses dots et le boss de cette zone qui ne les prenait pas non plus. Donc, tant que je n'arriverai pas à les passer, ce sera Fredo, le retour de Fredo. Fredo que j'ai stuffé différemment. Ah, il est stuffé au pif, je vous l'accorde. Parce que j'ai rush. J'étais niveau 7, j'ai passé 3 heures pour rush le truc, pour avoir les capacités correctes, je suis niveau 16. Et c'est un peu limite, mais ça passe. Donc je me suis basé en outils de destruction, tourelle et lance-missile. C'est mes trois capacités, c'est ça, douleur exquise, cryo-tourelle et l'outil de destruction. Avec maximum outil de destruction, c'est fumée. Vous allez comprendre pourquoi, et honnêtement ça passe. Ah oui, il y a aussi un combo qui est très fun. Mais pour ça, il va falloir que je passe comme ça. Le problème, c'est que c'est hyper risqué. En fait, je suis en train d'hésiter parce qu'il y a un truc qui marche bien. Ah, mais ça peut se faire. Je vais le tenter. Parce que dans mes loots, je suis tombé sur le Red Widow. Je sais plus où je l'ai eu. Je crois que c'est un loot de coffre violet de monde niveau 8, etc. Avec le Perpetuum Mobile. Quand il y a 35% de munitions ou moins restantes dans l'arme, ça recharge instantanément le chargeur. Et j'adore cet effet.
lors de mes tests que j'ai fait en off, d'ailleurs je vais remonter le son du jeu, c'est parce que je voulais faire, je me suis régalé. Ah, c'est régalien. Ah, c'est... Honnêtement, c'est un véritable plaisir de jouer comme ça. Ah oui, j'avais mis à 8, pardon. 8. 8. Hop. Voilà, ok, je suis pas dedans, mais ça va revenir. Ça va revenir. Donc. Je vais juste remonter un peu le son. Voilà, du casque pour entendre quelque chose. Donc, j'ai repris exactement où j'en étais. J'ai pas fermé plus que ça. Vous le voyez, je suis à la limite du monde niveau 8, etc. Mais ça, bref, c'est du détail. Les caisses ont été récupérées comme sur la partie précédente. Et donc là, dans l'idée... Ah merde, je me suis foutu dans la merde tout seul comme un glandu. Bonjour messieurs. Là, en gros, je suis en munitions illimitées. Ça va être tendu, faut que je le calcule, mais techniquement, je suis à munitions illimitées ou pas loin. Regardez les balles en bas. Ah, merde, ça peut marcher. Oh, ça a pas marché, dégoûté. Ah, mais ça deux, ouais, ça peut marcher, là. Va falloir que je sois précis, mais techniquement, ça marche. Parfait, viens, approche, pépère. Approche. Je vais faire une 3, 300, parfait. Munitions illimitées, je vous l'avais dit. Bonjour messieurs. Merde. Ah, j'avais oublié ce putain de détail, excusez-moi, je me suis fait avoir comme un con. Parce que on peut pas tirer au-dessus des planches, et comme il contourne les planches comme un enfoiré. Putain, si je pouvais aller là-haut, là ce serait divin. Ah, j'ai trop baissé le son, j'entends plus rien. Putain, ce casque par contre, là j'utilise un casque qui est très bien, c'est le SteelSeries Arctis 7. Mais il possède un gros défaut, il a une énorme réduction de bruit, et pour les records, c'est horrible. Allez. Je vais essayer de rester concentré. Là, je suis pas stuff du tout, hein. Je suis à poil. Mais on va essayer quand même de le faire correctement. S'en prendre à nous et s'en prendre à Corrigan. Arrête de bouger, saloperie! Putain, mais il prend zéro dégâts ce mob à la con! Putain, le mob à la con!
Et en plus, à chaque fois, il s'éloigne de mes capacités, ce con. Mais heureusement que j'ai la régène du technomage. Attends qu'il est fini. Sans la régène du technomage, ça passe pas. Honnêtement, je sais pas comment le passer autrement. Voilà. Avec le pyromage, je me suis fait chier pendant une demi-heure pour le passer. Technomage, deux essais, 9 minutes, ça passe. Technomage, technomage supérieur à pyromage est large. Donc si vous devez choisir un perso en solo, prenez le technomage, vous faites pas chier. Technomage, outil de destruction, c'est ultime. Avec ce truc-là, c'est ultime. Bon, par contre, à distance, ça sert à rien. C'est pour ça que je vais essayer de les chercher au corps à corps. Parfait. Toi là, t'es bien, là. Merci, Maurice. Ah, t'es nickel. Toi aussi. Très risqué, mais ça se joue. Ça se tente. Contre les mutants, c'est bien plus agréable à jouer. Parce que les mutants vont toujours vous rester au contact avec vous. Et surtout, en fait, le technomage est une classe qui est très facile à jouer au sniper et très agréable quand je joue pas comme un con. J'en dégage. Parfait. Il s'est relevé avant, l'enfoiré. Voilà, donc je pense que je vais rester technomage finalement. Je sais que c'est pas la meilleure solution, je vous l'accorde. Mais honnêtement, je préfère vraiment jouer technomage. Je ne suis pas... moi, je suis pas trop fanat des jeux où tu dois rester très longtemps à faire la même chose en boucle. Ça me gonfle très vite. J'ai peu de patience pour ce genre de truc. C'est pour ça que le technomage reste assez idéal pour moi. Je l'ai découvert par erreur, en fait, en farmant un personnage que j'avais créé, juste pour me détendre. Que le technomage était bien, en fait. C'est pour ça que j'ai regretté très vite d'avoir pris le pyromage. Voilà. Voilà. C'est farmé. Nickel. Vague de froid, je m'en fous pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Ça remplacera peut-être... À terme, ça remplacera le... Le merde qu'on s'appelle. Le lance-missile, la douleur exquise. Mais pour l'instant, on va rester avec ça. Oh, un pistolet, cool. Par contre, hop. Il va falloir que j'enlève la veste, je commence à manger. Putain, c'est la première fois que mes costards me tiennent chaud. Ça fait bizarre. Je vous le cache pas, un costard qui tient chaud, ça fait bizarre. Parce que c'est-à-dire que je suis habitué aux trucs d'été et jusqu'à présent, je me les pèle avec, mais aujourd'hui, il fait une chaleur, c'est assez insupportable. L'ordi ne surchauffe pas, mais pas loin. Pas loin. Je crois qu'il y avait un truc par là qui traînait. Ouais, mais une caisse de munitions, c'est pas ce que je voulais du tout, mais c'est pas grave. Il y avait un coffre, je crois, non? Ou alors je l'ai rêvé? Ah, je l'ai sûrement rêvé. Ouais, bref, on avance. Ouais, non, technomage est peur. Technomage est plus fun à jouer. J'aime beaucoup le pyromage, en fait, avec ses capacités d'explosion, etc. Mais le technomage, mais il est juste fun. J'avais hésité dans la démo entre technomage et pyromage, pour de vrai. J'hésitais entre les deux. J'ai craqué finalement pour le pyromage parce que je sais même pas pourquoi, en fait. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Là, par contre, je vais quitter ça pour... Bah non, je reste avec ça, en fait. Et finalement, je suis revenu aux sources parce que le technomage est bien... supérieur. Supérieur, plus fun, plus agréable. Non, je préfère. Bon, bonjour Pégu, j'étais venu te sauver à l'origine. À peu près 3 mois de ça, mais j'étais venu te sauver. Bonjour. Pourquoi ouvrir la porte quand on peut enlever la porte? Ah, pas de panique, Maurice. On se casse. Allez, tu viens.
encore de nouveaux maîtres. Non. Nouveaux maîtres. Ils sont où, les anciens? Je sais pas. Oh, des hommes sont venus. Ce Corrigan. Ils ont tué tout le monde. Oui, je sais, ils l'ont dit déjà au début. On fait ce qu'on nous demande. Couper du bois, porter de l'eau. Je me fiche de qui tient le fouet. Merde. Il n'y a que moi ici. Tu es libre. Non, 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 non. Laissez-moi rester. Ils vont me renvoyer au front. Dans les tranchées. Ici, je travaille juste. Bah, démerde-toi, Maurice. Pitié, croyez-moi. Par contre, une question que je me pose maintenant, là, aujourd'hui, en ce moment même. Est-ce qu'il y a une mission où on nous envoie qui réussit? Parce que jusqu'à présent, je rappelle, enfin, à part les meurtres, etc., les sauvetages, il n'y en a aucun qui a réussi. On a essayé de sauver McCain, les frites, buté d'une balle. Le mec dans les chiottes, il est resté dans ses chiottes. Le forestier, le bûcheron, ben, il est resté là où il était. Non, mais il n'y a aucun sauvetage qui s'est passé comme prévu. Tu viens sauver les mecs et ils disent non, démerde, casse-toi, je veux pas de toi. Non, mais eh, oh, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, non, peut-être. Non, bon, on s'en fout, on y va, on avance. Bon, bah maintenant c'est fait, on a sauvé le mec dans ses chiottes. Il nous reste plus qu'à aller nous occuper de ça. Je crois que c'est un campement encore. Je sais plus. Oui, bah j'avais fait en off, je sais, bref. Ouais, j'avais craqué avec mon premier technomage. J'avais craqué, j'en avais marre de tourner en boucle dans la même zone et de pas avancer, donc j'avais avancé. Donc là, on va récupérer la merde de Morissette et après on arrêtera l'épisode ici, puisque je refais, je pense, ma coupure pour le dernier épisode. Ok, c'est des mutants. Ou pas. Ah non, c'est un campement. Ouais, c'est un campement. Ok, donc il va me falloir un fusil à pompe. C'est un camp, c'est un pic, c'est un roc, c'est une péninsule. C'est surtout un camp de Pégu. Ouh, 500, outil destruction totale. Merde, c'est pas le bon. Dommage parce que j'aurais mis. Ouais, je suis stuff limite, hein. Je suis hyper limite en stuff. J'essaie de rester concentré pour pas faire trop de la merde au sniper. Mais ils sont où les cons? Où est-ce qu'ils sont les Pégu? Pégu, Pégu! Pégu, Pégu! Ça marche! L'appel du Pégu! L'appel du Pégu qui fonctionne! Regardez! Ça me les a tous sortis! Ils sont tous sortis! Vous avez des problèmes de Pégu? Vos Pégu ne sortent pas de derrière leurs abris? Prou, 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 venez les Pégu! À droite il est sorti. Ah ouais, ça marche. Ça marche en plus, ça le pire. Oh, ça touche là, sérieux. En vrai, il y a une technique dans le jeu pour faire sortir vraiment les Pégus de leur planque. Il vous suffit de vous avancer tout simplement, légèrement à découvert, et ça va déclencher leurs animations. Je sais pas comment charge le jeu réellement, comment le jeu charge les zones, mais j'ai bien l'impression qu'il va charger des zones petit à petit, et je suis sur PC, je précise, qu'il va charger des petites zones au fur et à mesure autour du personnage, et si les ennemis sont trop loin, soit ils ne s'activent pas, et s'ils restent actifs, ils n'agissent pas, ils restent planqués. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Par contre la sensibilité au snipe elle est dégueulasse. Ah c'est un tank, faut que je fasse gaffe. Ah bah merci. De temps en temps, maintenant, j'ai des gens qui explosent comme ça, je sais pas pourquoi. C'est même pas moi. Toi, dégage, merci.
Voilà, vous voyez, avec le technomage, honnêtement, ça se passe mieux. Les talents que j'ai pris juste pour le technomage, c'est dégâts des armes et sniper. Avec dégâts des capacités militaires, en gros. Et maintenant qu'il est légèrement affaibli, moi aussi je sors mon gros canon. Salut Maurice! Loupé là pour les canons, quand on a une plus grosse, eh ben ça se voit. Ça se voit, effectivement. Non mais toi tu fais pas le poids là. Non mais débilus. Je vide mon arme sur lui, mais non il bouge pas. Allez. Ah oui bien, mauvaise touche. Bon ben voilà, ça se passe bien avec le technomage. Mais j'essayerai de retourner en fait, je sais pas si je vais y arriver, l'extrait que je voulais montrer, parce que j'ai utilisé l'éruption volcanique du pyromage contre le boss que je n'arrivais pas à passer dans la partie précédente, dans la partie précédente de l'épisode. J'ai activé en gros, pour vous donner une idée, l'éruption volcanique. Je l'ai testé sur les alphas du jeu, les alphas machin, Roberto Alpha là, je sais plus comment il s'appelle. Les ennemis étaient affectés par la sortie du volcan, par la sortie de l'éruption volcanique, mais pas longtemps, une demi-seconde. Vraiment une demi-seconde. Après, avec le set que j'utilisais, il y avait un effet de cendre qui leur était appliqué, donc il y avait quelques secondes où ils ne bougeaient plus. Par contre, quand je suis passé sur le tank, mortier, machin, patin, couffin, le casse-couille de précédent, je lui sortais l'explosion qui était censée le stun, le truc d'immobilisation qui était censé ben, l'immobiliser, les deux éruptions volcaniques parce que j'avais mis deux éruptions, rien ne l'affectait. Je ne sais pas pourquoi, ça ne l'affecte pas. Je ne sais pas s'il y a une résistance élémentaire en fonction des ennemis face à nous. J'ai pas compris, c'est pour ça que je suis passé là. Bref, voilà. Bon, ben, on va donner son bouquin à Mamie Musée et puis on aura fini. Ouais, le technomage est plus fun. Moi, je préfère le technomage. Maintenant, je reste technomage. Hein. Ce sera plus les aventures de Barbecue Man, ce sera les aventures de Geekman. Enfin, Geekman, je devrais plutôt l'appeler Lance Rocketman, parce que bon, c'est un peu vénère, ses capacités. Tu te balades avec un lance-roquette de poche, une sulfateuse de poche, un bazooka de poche aussi, et une tourelle de poche. C'est efficace. Bon, on rend l'émission. À l'autre camé, là, l'autre espèce de camé Cullen machin qui se prend des trucs pas tout à fait nets dans le pif. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est le nouveau camion. Ouais, je l'aime bien celui-là, il est beau en blanc comme ça. J'ai mis un militaire blanc, j'aime bien. Parce que le set légendaire est sympa, mais je sais pas, il fait trop... Non, j'aime bien militaire, c'est propre. Bon, Maurice, Pégu, je veux parler. Arrête de sniffer des trucs, s'il te plaît. Arrête de sniffer de la levure. Ça t'arrange pas. Tu m'étonnes que le truc soit en mauvais état vu la levure qui sniffe. Zen. Voilà. Les ouvriers sont intacts. Enfin, un ouvrier. Corrigan avait repris le contrôle. Corrigan ! Merde ! Dommage ! Des putains d'alliés, bordel ! Ouais, presque. Ben, pour le profit, peut-être, je sais pas, une intuition. Oh, l'illumination! Mais tu as tué ces hommes? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils ont tiré en premier. Mais je vais le crucifier d'abord. Non. Tu te démerdes, c'est toi qui m'as envoyé, donc. Donne le pognon et après on verra. Allez, ciao, je me casse. J'adore par contre cette touche d'humour noir qu'ils ont intégré en fait. J'adore cette petite touche. Bon, ben, tourelle toxique. Je ne l'ai pas débloquée, je ne sais même pas ce qu'elle vaut. Mais oui, t'y es pour rien, Maurice, ta gueule, je m'en fous. Arme améliorée, très bien, allez, hop, parfait.
Ensuite, ici, on a la destruction totale que je vais remplacer par... Ben, intouchable. Ok. Ok. Et ça, je m'en fous. Parfait. Va te f... Tu me gonfles. Ah, mais il est casse-couille. Je vais juste upper le stuff de niveau. Pour être tranquille. Non, non, vous avez le choix entre Cullen et Cullen pour l'instant, parce que l'autre débilus est resté dans le coin. C'est quoi, un double canon standard, un double canon aussi, tir en rafale, surtout passer de la merde, le tir en rafale. Et donc tout ça, ça gercle, parfait. Ensuite ça, ça, ça gercle, nickel. Oula, oui, j'avais oublié d'arrêter l'épisode. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon stuff pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, je vais rester avec le technomage. Et on va se retrouver pour la suite de l'aventure et arriver vers la prochaine zone avec notre camion militaire blanc. Bon, bah les gens, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, commentaire et abonnement. Et, ouais, c'est ça. Allez, bye bye.